to Mapel John McGill, Jadine de North Bay en Ontario. Ça nous fait plaisir d'être les parrains de la deuxième édition de la Bruna, ici avec vous autres, un concours pour les groupes qui chantent en français en Ontario. Wow! Wow! 2, 3, 4! La Bruna, ça s'adresse vraiment à des jeunes qui, des jeunes artistes qui font de la musique et de la chanson en français à Ontario. Et vraiment, c'est vraiment un concours de la chanson populaire fait par des groupes, par des bandes, comme les jeunes de Gilles. Cette année, la deuxième année, on a eu 20 groupes qui se sont présentés. On a dû en choisir 4. Salut, je suis Yves. Moi, je m'appelle Stéphane. Moi, je m'appelle Guy. Moi, je m'appelle Alain. Pourquoi qu'on s'appelle les chaises musicales? Parce que c'est un nom qui pogne. Parce que c'est mon jeu favori. Parce que... Yves? Parce que ça bouge. Êtes-vous bien assis? Mon nom est Marc et nous sommes le groupe Syndrome. Moi, c'est Yves. Moi, c'est Randy. Et Steve, ouais. Et c'est Syndrome car notre musique est contagieuse. Le plus que tu l'écoutes, le plus que t'en deviens malade. Mesdames et messieurs de la grande ville d'Ottawa, nous sommes... Yvan et les voyous. Moi, c'est Jean-Marc, le batteur. Moi, c'est Ian, le bassiste. Pierre Legault, le keyboardiste. Enchanté de faire votre connaissance. Salut, c'est Charles, de Cormorant. Serge. Donald. Jacques. Et Jacques, pourquoi qu'on s'appelle Cormorant? Pourquoi qu'on s'appelle Cormorant? Je sais pas, moi. C'est parce qu'une colombe est déjà plus. Cette semaine, c'est vraiment le cadeau, c'est de retrouver les groupes ici, de retrouver les formateurs ici, les parrains, de retrouver tout le monde ici, puis d'avoir la chance aussi de voir les groupes sur scène, de les voir interpréter ces chansons-là que j'écoute depuis un mois sur cassette. Une cicatrice laissée en passant, une croix plantée pour le roi. De dimanche à dimanche, les jeunes passent à travers... je dis les jeunes, il y en a qui sont aussi vieux que moi, là. Mais, les jeunes font toutes sortes d'ateliers, des ateliers individuels sur leur instrument respectif, des ateliers de groupe avec un parrain, un metteur en scène, des ateliers d'affaires, de gestion, d'autogestion. Et puis, c'est très intense, c'est des journées très chargées, très remplies, des journées de 12 heures, finalement, où... Ils sont à peine libres une couple d'heures là-dedans. Et ça se termine de façon très grandiose, je pense, avec un spectacle à la nuit sur l'étang. La Brunante, c'est une partie intégrale du spectacle de la nuit sur l'étang. Alors, d'une certaine façon, je pense qu'on est chanceux d'avoir des groupes d'Ottawa et de Sudbury avec nous aujourd'hui, parce qu'en parlant de marchés locaux et provinciaux, justement, Sudbury et Ottawa, c'est les deux plus gros marchés francophones en Ontario, c'est dans ces villes-ci. Les jours me tempêtent, mais moi aussi, y'a du show, y'a du show, y'a du show qui me blesse. Les groupes aujourd'hui sont des entrepreneurs, plus que n'importe quoi, c'est des petites entreprises. Et puis, c'est de trouver l'équilibre entre l'art et les affaires qui t'amène au succès. Je pense que ça, c'est un problème technique de la basse, pas l'arrangement ou le joueur. C'est ça. Quand il joue en haut, là, c'est presque toujours plat. C'est juste une question de tournevis. Quand tu déplaces ton capot... Des fois, ça marche. OK. Parce que ça va changer ta tension. Ça veut dire qu'il n'y a plus 4,40 quand... Faut que tu la retournes avec, mais tu peux pas le faire pendant le show. Faut que falloir que tu trouves un milieu où est-ce que ça sonne bien partout, tu comprends? Parce que tu peux pas la tourner juste là, puis quand tu vas avec le capot ici, ça va être faux. Lui, il va être correct parce qu'il y a 4,40 ouvert, mais pas toi. Des gens par déguisés, défilent à mon quartier. Ici, c'est Halloween, tu m'allais, je vais... Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire ce qu'on peut le plus pour chaque groupe, que chaque groupe soit heureux. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on fait un spectacle d'une heure. Pas quatre spectacles de 15 minutes, mais un spectacle d'une heure. Puis qu'on puisse retrouver un ensemble, s'amuser.
C'est vraiment le fun de vous regarder jouer. Vous avez l'air d'avoir du fun à jouer. Quand je suis arrivé ici le premier soir avec John, on a vu les groupes défiler, puis commencer à jouer leurs chansons, puis de les voir là, ici, sur le plancher, puis de dire « Wow, ça me rappelle des souvenirs quand je montais les bandes, quand je commençais à jouer, puis tu voyais plein de potentiel, plein de possibilités avec ces groupes-là. » C'est un peu ça que depuis deux jours qu'on essaie de faire avec les groupes, c'est de travailler avec eux autres, puis là, leur transmettre des idées, d'échanger avec eux autres. L'énergie est là, le talent est là, mais pas tout en place, pas un groupe ensemble passé. C'est pas vraiment là. C'est comme un chien qui se court après eux un peu, tu sais. C'est ça, là, ils savent qu'ils ont un potentiel, essayent de l'exploiter, mais c'est mal dirigé, tu comprends? C'est pas juste ouvrir ton amplificateur puis jouer le plus fort que tu es capable tout seul puis de triper tout seul. Un groupe, c'est un tout, c'est une unité. Et puis de les faire sentir collés puis de les faire sentir ensemble puis que ça donne un son de groupe à la fin. Excuse-moi les boys, mais c'est exactement là que je veux écouter harmonica. Tout de suite après que tu chantes. Le bridge? Non. Non, tu chantes tout ça, là. Puis quand tu finis de chanter le bridge, on est comme 8 bars de... C'est toujours positif. Oui, toujours très, très positif. Il n'y a rien de négatif. Chaque fois qu'on finit une tune, ça fait comme 15 ans de fois qu'ils entendent la même tune, là, mais ils applaudissent tout le temps. All right! Ça, il a raison. Quand elle est solo, là, on ne sait même pas ce qu'est le solo. Prenez votre place. Pour nous autres, Mylène, c'est comme un gros boost d'énergie. OK, les boys, vous faites bien ça, continuez le bon travail, puis envoyez par là, puis essayez de remonter votre énergie, puis souriez. Quand les musiciens arrivent ici, soit à la fin de la journée, ils sont passés par des ateliers individuels. Puis là, ils essaient les choses qui ont été montrées par les autres formateurs. Et puis là, on voit un changement aussi avec les choses qu'on a apportées la journée d'avant. Ouais, c'est pas pire, ça. Oh, j'ai frappé. Oups, je me suis tombé, là. Ah, en tout cas... On s'est trompé, mais en tout cas, revenez nous voir après la pause, hein? C'est ça, on revient après cette pause publicitaire. Okay.